Salut à tous! Coucou! Donc bienvenue pour cette quatrième partie des... de Resident Evil Code Veronica X, donc en compagnie de Claire et non de Joël et Ellie. Donc avant tout, je voudrais surtout remercier donc tout plein de monde dans Mice61 qui est revenu nous rendre visite sur ce let's play, puisque bon, comme grand fan de Resident Evil, il était obligé qu'il revienne, puisque ouais, il fallait bien qu'il voit comment ça se passe, et puis je le remercie puisque je suis sûr qu'il aura de bons conseils. Je remercie aussi SuperBiondis pour son conseil contre les chauves-souris. Oui, je n'oublierai plus d'allumer mon briquet pour les chauves-souris. En effet, j'avais remarqué que lorsque j'avais laissé tourner le jeu dans la page d'accueil, enfin le menu principal, justement, on voyait Claire à marcher avec son briquet et les chauves-souris venaient vers elle mais repartaient directement au plafond. Donc je me demandais si c'était le fait de marcher qui faisait que les chauves-souris ne venaient pas. Donc apparemment non, c'était le briquet qui faisait son effet. Donc peux-tu m'apporter par contre le petit détail si c'est le briquet seul qui le fait ou si c'est le briquet et marcher qui le fait. Donc c'est-à-dire que si on a le briquet et courir, ça empêche quand même les chauves-souris ou pas. Voilà, histoire que je ne me fasse pas avoir bêtement. Et puis je remercie aussi surtout, donc il y a Subaru Fast Bébé qui nous a fait plein de compliments, plein d'encouragements, donc merci beaucoup à toi. Il y a aussi, alors attends deux secondes, je vais chercher ton pseudo parce que je ne m'en souviens plus trop, donc c'est Christian Krog B. Lui nous a découvert sur Dailymotion, donc sur Resident Evil 4 dessus, donc ça fait un bail qu'on ne poste plus du tout sur le Dailymotion, notre chaîne existe toujours, hein, c'est l'Aube Ange. Et donc il a décidé de nous rejoindre sur mes conseils sur YouTube. Donc là, un abonné très actif qui commente toutes les vidéos qu'il regarde, même si pour le petit commentaire, ça fait toujours plaisir à voir. Donc quand je peux répondre, je réponds. Et puis donc voilà, le plus gros big up, ce sera à Nono. Hein, voilà, je pensais pas avoir un nouvel abonné tel SuperBiondis enfin, au tout début qui a autant de conversations, qui a autant d'encouragement, qui nous respecte autant, c'est impressionnant. Il est même allé jusqu'à nous comparer aux joueurs du grenier. Alors ça, vraiment, un grand merci à toi, parce que c'est, pour nous, c'est limite le maître d'art avec Usul et Riel Myop et Cœur de Vandal. C'est quand même eux, c'est vrai, qui donnent la plupart du temps l'envie de faire des vidéos, même si nous, c'est Benjetta vraiment qui nous a donné envie. Mais après, c'est vrai que d'arriver à leur cursus sur YouTube, de pouvoir réussir à vivre de ces vidéos sur internet, c'est vrai que ça fait rêver, mais enfin, voilà, un grand merci à toi vraiment, en espérant, comme tu dis, qu'on arrive à la même hauteur de son talent, histoire de pouvoir avoir une petite vie tranquille, en plus d'avoir le plaisir de vous faire des vidéos, de pouvoir gagner notre vie avec, ce serait fort sympathique. Donc sur ce, pour l'instant, on est encore à Code Veronica X, hein, donc on est à la quatrième partie, donc on va aller chercher, je crois bien, les munitions que Steve avait laissées en arrière, parce que c'était pas pour la mitraillette. Et puis, donc on va normalement, je crois bien, refermer donc cette valve de sécurité pour empêcher que le gaz s'échappe pour pouvoir réaccéder à une porte qui était fermée dans le centre d'entraînement. Donc probablement récupérer aussi une carte de sécurité bleue ou indigo, je sais plus. Probablement, je sais plus, en même temps ça fait un bail que j'ai pu faire. Et puis, en espérant pas trop vous décevoir tous, parce que il y en a beaucoup qui connaissent le jeu, qui sont à fond dedans, qui connaissent beaucoup de détails. Moi, ça fait longtemps que j'ai un peu oublié le jeu, donc si je fais des erreurs. Donc, d'ailleurs, merci à Bay61 justement par rapport au conseil qui me disait que vis-à-vis des munitions, je risque d'être vachement large plus tard par rapport aux soins. Donc voilà, je ferai un peu plus d'attention, mais en effet, quitte à tuer plus d'ennemis qu'autre chose, je le ferai histoire de ne pas trop gaspiller de soins. Merci à toi pour ton conseil. Donc on va attaquer. Donc nous voici sur la page d'accueil, j'appuie donc sur Start, parce qu'en plus j'ai vachement décalé mon enregistrement vidéo et audio, donc voilà, il va falloir que je fasse un bon montage. Alors, on va changer la partie. Resident Evil. Alors je sais plus exactement quand est-ce que... Enfin, si on en est loin ou pas de partir du centre d'entraînement. C'est vraiment plus du tout. Alors donc c'est le père à... Je sais plus quel... à Gluca, ouais. À Gluca 585 qui aurait fini le jeu en moins de 1 heure. Donc vraiment un grand chapeau à lui. Alors je pense qu'on a besoin de rien d'autre. Alors c'est toujours pas triangle. On va y arriver. Et voilà. Alors... C'est rond pour courir, c'est pas carré.
Ouais, c'est sûr que de ne pas enregistrer au fur et à mesure, enfin de changer de jeu entre-temps avec les enregistrements, ça, on repère vite la maniabilité. Pardon? Eh, je fais comment pour y aller alors? Ça sert à quoi de revenir ici alors? Tout, j'ai rien de spécial dans mon inventaire pour pouvoir aller ailleurs. Je piche pas là. Donc là, il y a des chiens en bas, faut que je fasse attention. Donc les fameuses toilettes. Oui, il n'y avait rien de spécial à récupérer, oui, parce qu'il y avait juste la... Là, toi, tu dégages. Son corps est couvert de sang. Non. Oui, parce que là, ouais, c'était le sauna, là. Je comprends pas où il faut que j'aille. Ah, viens me voir, maman. Allez, en plus, je me fais avoir bêtement, quoi. Sérieux. J'ai largement le moyen d'esquiver, je me fais avoir bêtement. Ouais, ici, y a rien d'autre à faire. Bon. La Valve, elle s'en fout, mais alors, complet maintenant. Où est-ce qu'on pourrait aller? Parce qu'on n'a pas plus d'objets que ça. Enfin, on n'en a pas eu de nouveau. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? T'es buté. Putain, gaspiller des munitions pour rien, ça m'énerve. Ah, des carreaux d'arbalète. Vous savez que j'en manque de trop déjà. Hein. Ce serait bien d'avoir l'arbalète au final. Quasi ouvert. Les carreaux d'arbalète. Bon. On aura fait le plein de munitions d'arbalète. Quand je l'aurai, je pourrai enfin m'en servir. En plus, c'est une arme assez puissante, à ce qui me semble, donc. Je sais plus où elle est, c'est fort dommage. Ah, il y a une herbe verte, rouge même. Ouh. C'est vrai qu'elle se fondait dans le décor avec le banc. Toujours pas le bon bouton. Ah, voilà, c'est déjà, ça fait du bon saut en avance. Ah, bah oui, mais je suis bête. Mais oui, c'est juste ce qu'il faut faire. On va retourner au coffre. Je sais pas, oui, on a le médicament hémostatique, donc probablement qu'il suffit d'aller voir le mec au tout début du jeu pour lui donner les médicaments, qui nous donnera certainement une nouvelle carte. Enfin, voilà quoi, un bon backtracking qui va bien.
essayer de pas trop gaspiller de munitions et de soins aussi. Donc les chiens, on va y faire attention. En plus, j'hésitais de repartir avec tout à l'heure, mais je me dis, oh non, ça sert à rien. J'aurais dû. Vas-y, je t'en prie, hein, hésite pas, même si c'est des critiques pourries, hésite pas. Hein. Au moins, ils t'entendront un peu parler, parce que là, depuis tout à l'heure. Oh. Oh. Alors. Le médicament hémostatique. En plus, le briquet, je l'ai lâché, non? Ouais, je crois que j'ai... pas où il est. Ça, on va l'arranger ailleurs. Il nous faut aussi la clé pour la valise. Ça va, 230, ouais, tranquille. Sait-on jamais, voilà, je prends les... le TMP. Touche pas à mon poste. Ouais. Ce côté à touche pas à mon poste, c'était PMP. Ouais. Ouf, pas passé loin, hein. J'ai fait en sorte de réveiller les chiens le plus tard possible, mais... pas passé loin quand même, hein. Alors. Voilà, c'est le gros ver de terre. En tout cas, je me souvenais vraiment pas qu'il fallait qu'on était vraiment obligé de revenir tout en arrière. Moi, maintenant que tu le fais, ça me rappelle avec Benjetta. Ah oui? Ouais. Moi, je m'en souviens pas du tout. Donc, remarquez que la caisse que j'avais à peine déplacée pour me poser dessus a été très bien replacée. Qui est passé derrière moi? Hop. Lui, on s'en fout. Hop là. Et ouais, je fais des écarts de gros fou furieux. Je cours même pas droit. Derrière lui que je veux aller. Mais c'est n'importe quoi. Toujours pas le bon bouton. Un jour tu vas y arriver, hein. Ouais, à faire un start direct, ouais. Un jour je serai grand. Bon, vous me casserez plus les... Ok. Allez, je commence à être un peu à court de munitions, parce que deux chargeurs d'avance. Où
Ouais, en effet, j'ai pas mon briquet. Et on y voit que dalle. Si, je crois que je dois l'avoir, oui. Je sais plus. Ah bah, voilà. Elle là. Qu'est-ce que c'est ? What are you doing here? Quand ce putain de chat qui saute sur le bureau sans que... Ah, c'est ça. Sans que je vous demande la permission. Ah, donnez la permission. Le chat n'a pas besoin d'avoir... Ouais, mais il la demande pas, la permission. How kind of you. Le chat veut gouverner le monde. Elle fait un peu psychopathe quand même, non? Non. But I can take care of myself. Just go. C'est-à-dire que c'est des graphismes à la Dreamcast à la base, hein. Après ça a été adapté sur PS2, mais... Sûr, ça peut pas être aussi beau que Resident Evil 6 ou The Last of Us, hein. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque, hein. Mais je dis pas ça. Pour moi, elle a une tête de psychopathe, c'est tout ce que je dis. Now go. Don't worry about me. Donc j'ai été sûr que c'était la... Ah, pourquoi j'ai pas pris la valise avec moi? J'en étais certain qu'il allait me filer ça. Et tu laisses ton briquet sur la table? Bah apparemment, je sais pas. C'est de le récupérer, ouais, c'est pas con. You'd better get out of here while you're still able. Apparemment, elle a pas envie de le récupérer. Soit lit le document, ça lui parle à lui. Alors, je sais pas si la box elle est hyper petite pour réussir à le récupérer. Mais comme j'ai pas envie de passer 3 heures dessus. Alors, où est-ce qu'on a un coffre pas loin? On n'a pas le choix, je suis obligé de retourner dans le centre d'entraînement. Hein. Alors, ça me fait des allers-retours, hein, des dieux. Hein. Ah, le père Agluka, il va pas te faire de moi. Hein. N'empêche, elle a plus rien à la main là. Pourquoi elle s'est déséquipée du flingue? On était déséquipé du flingue? Non? Bah alors. Ah d'accord, c'est pour ça qu'on a plus le briquet. C'est parce qu'on allait aller crocher. Mais... d'en avoir mal au terre. Putain, j'en ai marre. Clair. Mais il m'aura pas, ouais. Je crois qu'avec Chris, il aura pas trop le choix, je sais plus trop, mais... Je sais qu'en tout cas, à elle, il l'aura pas. Je sais qu'on n'est pas obligé de le tuer. Si mes souvenirs sont exacts, évidemment. Alors, les toutous qui sont en train de faire dodo, donc je peux passer tranquille. Ça, c'est un chien fatigué. Ouais.
Alors, que nous cache cette fameuse valise? Comme ça, voilà. Alors. J'ai vu le regard de la manette, on va se tromper de bouton. Exactement. Des carreaux explosifs, ouais. Enfin, de la poudre, ouais, je suis content. Ah, j'en ai marre. Pas où il faut aller, j'en ai marre. Alors, on va prendre les carreaux. Voilà. Ah, mais je suis con. Et les lugueurs, ils me servent à quoi, hein? Bon, moi j'aurais pas fait un aller-retour pour rien parce que j'imagine que les crochets vont bien me servir un jour ou l'autre. Dodo! Voilà. Tant que tu fasses ton tour, moi j'ai le temps de partir. Ow. Il est en colère. Ouais, mais ce repère, il vient de se manger la porte. Ow. Tu maltraites les animaux. Ouais. Tu m'as fait manger des portes. C'est eux qui me maltraitent surtout, ouais. PS3 n'apprécie... La PS2 n'apprécie pas la chaleur. Comme toujours. Ah oui, carrément, oui. Je vais te le dire, mon grand. Ça, je me disais, ils sont passés où, les zombies? Ouais, c'est des Bandersnatch, maintenant. Ça va être moins marrant quand il faut retourner en arrière. Donc, est-ce qu'il y a toujours les chiens ici? Oui. Allez, lâche-moi. Allez, tu dégages. Oh, l'autre il a carrément sauté son collègue et tout. Allez, mais elle fait quoi là? Ah, il y a du monde. Allez, j'en étais sûr qu'il y en a un qui allait se foutre dans le coin, histoire que tu le vois pas. Voilà, reste allongé, t'as raison, fais dodo. Alors. On va mettre les leggers en place. Elle le fera pas toute seule. Pourquoi équiper? Utiliser. Toujours pas le bon bouton. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je garde des carreaux explosifs, mais c'est pas grave. Ah, t'es sauvé. N'hésitez pas à me dire si j'ai raté l'arbalète ou quoi, hein, parce que c'est vrai que ça me trotte un peu tout ça. À mon avis, oui. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il disait quoi? Premier chiffre, gauche, droite. Deuxième chiffre, gauche, droite, 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 droite.
Pourquoi l'écran est allumé s'il est pas en état de marche? On est psychopathe. C'est clair. Putain, si j'ai un jour en agrégoire comme ça, je les fais enfermer moi. J'en sais rien moi le mot de passe. Ça m'étonne. Alors, il y a deux boutons. Alors, gauche. Droite. Droite et trois fois droite. 1, 2 et 3. Et elle s'en fout le coquillard. Bon, c'est bien ça. Gauche droite. Deuxième chiffre, gauche, droite, 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 droite. Ah, je vais refaire exactement la même manipulation. Hein. Ah oui, et en fait je suis un peu béni des fois. En fait c'est en train de me donner le mot de passe pour l'ordinateur. Fait alors. Le premier c'est 319, après il y a... Non, 317. Le 3 c'est le premier, ça c'est sûr. Gauche, droite. Non, le premier donc c'est 1. Le deuxième. 9. Le troisième. 7. 197, 1, 2, et 3. Donc 1971, c'est ça. Donc certainement une date d'anniversaire, une connerie aussi. Puissance neuronale. Tu as compris du premier coup, ça aurait été bien. Ouais, ça aurait été plus puissant. Ouais. De Dieu. Rien du tout, je me barre. Okay. J'imagine, est-ce que j'ouvre la porte au moment où il y a l'éclair qui illumine la salle, on n'a rien vu. Il y a une porte en bois. Donc je trouve vraiment que le Dark Side Chronicle respecte vraiment bien les décors, hein. C'est impressionnant parce que je revois tout à fait le jeu là. Monte au fameux château Alexander Ashford plutôt. Et hey, toi, t'as pas là? Ouais, c'est quelques petits contre-jours, j'ai fait rien capté. Ouais. Ah, j'ai le cœur qui bat. Que va-t-il se passer derrière la porte? En plus, ils nous font un gros zoom dessus.
Elle ouvre doucement alors que tu as les autres derrière qui... Ouais, c'est clair, ouais. Bon, tu as fini d'ouvrir la porte là? Parce que nous, on veut bien essayer de te bouffer, mais si tu mets 3 ans à ouvrir la porte, nous, on a faim, hein. Alors. Ah, je me souviens. Ah ben voilà, il y a ben... A plus de briquet, le monsieur. Merci, super bien dit du conseil, mais malheureusement, je peux plus m'en servir. Sur la table, j'espère ne rien avoir oublié. Sérieux. Keep focus, brother. Our enemy is only a little girl. Oh, why is this taking so long? My apologies, Alexia, but I have been doing my best. The revival of the Ashford family depends on your success, brother. I am aware of that, Alexia. I will revive the family name myself and make you the master of the glorious Ashford family. Do not worry, brother. I will handle them both myself. Who is there? Is someone in the corridor? What is it, Alexia? Nothing. I believe I must have been imagining things. Let us go, brother. Alors, il y a des munitions qui traînent sur la table. Je les prendrai après. Alors je marche pour pas rater d'objet, hein, tout simplement, hein. Pas pour oublier. Mais encore... Je voulais pas sortir, mais c'est pas grave. Ouais. Mais que va-t-il se passer? Un besoin d'os, moi un besoin d'os, sur le feuille de besoin. Va-t-on rencontrer Alexia? Ah ben non. Alexia la Rose-Joubert, je comprends pourquoi elle a peur. Ah.
Ça va aller vite, hein? Alors, on a une clé argentée. Et on peut monter à l'étage super. Ah, on peut pas. Donc, on va aller dans l'autre salle et on va essayer d'ouvrir la boîte à musique avec la clé. Sait-on jamais? Vous vous doutez bien hein, que ce sera une vidéo qui dure un peu plus d'une demi-heure, hein, puisque nous avons déjà dépassé le délai. Et qu'on est loin de pouvoir sauvegarder. D'accord. Et je m'en sers où? Clé argentée. Ouais, d'accord, faut retourner dans le centre d'entraînement, enfin dans le château, ouais, d'accord. Ah bah donc du coup on ira se garder là-bas. Donc c'est parti, on redescend. Donc je vais buter les deux chauves-souris, hein, parce que si c'est pour faire le chemin à chaque fois se rebouffer la gueule, c'est pas la peine. J'avais même pas arrivé cette connasse là. Allez, j'ai même pas le temps de tirer. Ah, c'est n'importe quoi. Pour réussir à les viser, mais c'est n'importe quoi. Apparemment, j'ai ressenti des gommes. Mais. Oh, je vois que dalle quoi. Mais allez, elle était à ta portée. Comment gaspiller des munitions pour rien, hein, les gars? Ah! Bah oui. Voilà, je commence à être dans le danger et tout, là, à cause des chauves-souris. En plus, je perds des munitions bêtement. Alors, ça, c'est le kiff, ça, hein? Alors. Des munitions qui vont bien. Elle était sûre qu'il y en avait un. Ça, je me disais, pourquoi la regarde là-bas? Ouais, bon, c'est bon, t'es fatigant là. Voilà, c'est bon, t'as compris? Ah bah, il va pas être fier de moi là, hein? Ouais, le banc écrire, super, passionnant. Mais y'a pas de machine à écrire à côté. De moi, elle a lâché le briquet à l'autre et pour finalement qu'il fait trop sombre pour avoir quoi que ce soit. Je vais l'appeler James Sunderland, elle aussi. Bon, elle paye, hein. Pourquoi elle vise comme ça là? Elle me fait perdre des balles pour rien là.
Maman Christine, l'autre il est en bas, elle vit sur les côtés. Là. Au moins. Voilà, comme ça, eux deux, j'aurais pu me les faire. Vous savez que niveau herbe, c'est pas Resident Evil 1. Hein. On a déjà fait la gueule. Voilà. Allez, on va sauvegarder. Vu que j'ai du ruban crâne sur moi en plus. Et on vous dit à tout de suite dans les studios. Et voilà, donc c'était la fin, enfin c'est la fin de la quatrième partie de Code Veronica X. Alors bon, ben franchement pas très glorieux, hein, beaucoup de dégâts pour rien, beaucoup de munitions gaspillées, sauf que c'est certaines chauves-souris que finalement j'ai même pas réussi, peut-être en tuer, et encore que. Mais enfin voilà, donc les bandes d'Arsenal, pour retourner au château, je les ai flingués comme ça, on n'en parle plus. Et puis, donc oui, cette claire argentée, je pense qu'on s'en sert justement lorsqu'on va chercher les Luggers, lorsque Steve se fait bloquer dans cette fameuse salle. Il y a une porte qu'on peut ouvrir donc avec cette fameuse clé argentée, ce qui me semble c'est là, c'est dans ce couloir là. Donc on verra ça donc lors de la cinquième partie. Hein. Je sais plus trop ce que ça cache. J'espère enfin trouver cette clé indigo histoire de pouvoir ouvrir les portes du centre d'entraînement, pouvoir récupérer la tonne de munitions qu'il y a là-bas, parce que ça me dérange un peu de devoir tout laisser là-bas. Et on va dire à la prochaine. Pour une prochaine vidéo. Et on vous remercie encore grandement. Allez, ciao et amusez-vous bien.